Ah, tu mangeras ça bientôt. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Après, je suis sauté. Tu t'es réveillé. Maintenant, quelle est l'expérience que tu as vécue pour que tu es dans la sorcellerie? Quand tu es parti maintenant, ça dit on t'a chargé, ça y est, la sorcellerie. Quand tu es parti en France, tu voyais les gens là-bas? Tu étais toujours en contact avec eux? Vous voyez un peu, ça dit une fois que la sorcellerie c'est fini. C'est ça que j'ai dit aux gens, même si vous êtes en Europe, c'est un signe, quand vous êtes même à l'étranger en Europe, quelque part, et puis dans vos rêves, vous ne vous sentez pas en Europe, que vous sentez en Afrique, précisément dans vos villages, commencez à chercher votre délivrance. Oui. Ça dit votre âme est emprisonnée quelque part, ici en Afrique et dans un village. Oui. Donc tu voyais la confrérie. Donc pour charger une mission, c'était laquelle? Ils t'ont attaqué pourquoi? Parce que tu refusais de donner ta main. Mais après, tu as récupéré ta main. Au début, j'avais fait le rêve. Parce qu'il me disait de mettre ma main. Et moi, je perds le temps. Ouais, tu perds trop, tu veux pas. Si tu es faux gars, tout ça, il faut bien t'as compris. Et après, un jour, ils sont venus m'attaquer. Boum. Après, je suis tombé par terre. Tu as fait comment? Je ne sais pas, mais c'est de chiffler. C'est plus qu'un jeu. Tu n'as plus qu'un jeu. Ça a tordu ta bouche. Pour chiffler. C'est ça? C'est ça, il a eu cette semaine là. Hein? Ça met, ça ment. Vous êtes à la clinique à insertion, on soigne ça. C'est qui là comme maladie là? C'est ici. C'est pas ailleurs, c'est ici, on soigne ça. On va bien soigner ça. Ah non, t'as dit que tu étais là, tu as senti ta poignée. Oh d'accord. Tu étais comme ça, tu as senti quelque chose. C'est plus que j'ai. T'as vu comment? Et puis tu es tombé. Ouais, il est tombé, il est dans un coma, non? Moi, j'étais venu après, j'ai fait pour deux semaines là-bas. Je suis venu pour des papiers. Et j'ai laissé des copies à une amie et une voisine. Mais c'est elle qui m'a appelé pour me dire la nuit qu'il était tombé. Mais c'est passé la nuit? Non, mais c'est pas avant ça qu'il est. Il est tombé avant qu'il ne passe la veille. Parce qu'il est tombé quand mon ami m'a appelé pour qu'il me dise que le petit est tombé. Et je suis rentré. Parce qu'on l'avait gardé à l'hôpital de Kek. Okay. Et quand je suis parti, on a fait les analyses et tout ça. C'est passé. Il ne voyait rien? Non, il voyait rien. Il m'a dit qu'il avait des problèmes visuels, des troubles visuels. Je l'ai envoyé chez un médecin, on a vu effectivement qu'il avait des soucis. Mais néanmoins, le médecin n'a pas détecté. Il n'a pas vu qu'il pouvait lui poser des verres. Il a dit qu'il fallait qu'il fasse d'abord le traitement avant de faire lui poser des verres. Bon, on a blessé, on a fait des traitements qu'on a blessé. C'est après ça, comme il faisait des choses insolites à la maison. Comme quoi? C'est-à-dire qu'il mettait dans son oreiller un bruit, il a mis une cuillère, une assiette, un couteau, et puis on n'avait pas compris. Dans l'oreille, dans le lit? Dans son lit à lui. Dans l'oreille. Oui, si, c'est ça. Donc c'est dans le lit? Dans le lit. Et puis il y a l'assiette. Il y a l'assiette, il y a la cuillère, la fouchette, un couteau. Dans l'oreille, il dort. Il dort là-dessus. Il dort dessus et monsieur, c'est ça. Je m'appelle celle qui est venue nous voir. Celle qui est venue avec son enfant à la maison. Et quand elle vient
chaque fois, quand son lit a des garde-fous, on préfère que le petit dorme là-bas pour pas tomber. Mais c'est elle qui a pris l'oreiller quand elle a regardé le moment où elle changeait les draps. Elle a vu ça. Quand elle a vu, elle m'a appelé. Donc comme il était plus petit, moi je me suis assis le point d'un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut, voilà. Était des crises. Même les pots de yaourt, il les mettait. Bon, on a ça, je négligeais, franchement, oui, je ne prenais pas au sérieux. Et puis un jour, mon armoire où je mets mes poches de police, j'avais du problème de faire à la mairie, puis on m'a demandé ma fiche de police. Vu quand je viens chaque fois, je tire, mais je ne m'abaisse pas. Et comme j'ai un problème lombaire, je ne m'abaissais pas. Ce jour-là, j'ai pris mon temps. J'ai tiré les documents, j'ai vu qu'il y avait un verre. Son verre a dit parce que je leur avais acheté deux verres, elle dit et puis ça faisait. Ce verre-là, ce jour-là, quand j'ai reconnu le verre, je n'ai pas compris. Comme il était à l'école, il n'est pas loin de l'école, il était toujours dans le marché. Alors comme il venait manger à la maison le midi, quand il est arrivé, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a mis le verre là-bas, il m'a dit c'est lui. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a mis? Et depuis quand ce verre, depuis un an. Depuis un an, le verre est là, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Donc je lui ai dit, va manger comme tu dois retourner l'après-midi, on va en parler le soir. Quand elle est revenue, quand on rentre le soir, ma fille et mon fils sont venus. Ils lui ont posé la question, il a dit rien du tout. Et ma fille a dit, mais qu'est-ce que le verre contient? Il a dit du fromage et des pâtes. Et ma fille a dit, mais les pâtes et le fromage, dans un verre, qu'est-ce que ça fait? Bon, dans ce cas, on va tout enlever. Comme maman a souvent des douleurs, on va enlever cette fois-ci le matelas et le lit pour voir ce qu'il y a en dessous. Et quand on a tout enlevé, on a vu qu'il y avait des pots de yaourt. Tout moi, mon lit à moi aussi. Donc, moi, je lui ai fait nettoyer ça, c'est lui, il a tout ramassé, il a jeté. Et maintenant, il a pris le verre, il a mis le jeté. Je lui ai dit, tu le mets dans le vide d'ordure, pas à la poubelle, parce que tu risques de nous empoisonner avec. Il a mis effectivement dans le vide d'ordure. Et ma fille, lui dit, va faire le rangement dans ton armoire, parce que peut-être que tu as encore caché des trucs là-bas. Nous, on était au salon, quand il a fini, quand je l'ai fini dans le canapé. Pourquoi tu dis ma fille, lui. Non, mais sa soeur est là. Ah voilà, fais de ta soeur. Sa soeur est là. Quand tu dis sa soeur, je préfère que sa soeur que ma fille. Voilà. Donc, comme elle n'a pas la fille de d'être avec elle est la longue. Mais c'est ta fille. Bon, je... Sa soeur, c'est sa soeur. Vraiment. Alors, quand elle lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce verre? Il dit que c'est du fromage. Et depuis quand le verre est là, il me dit, ça fait un an. Et elle lui dit, mais comme ça, tu as même. C'est précis alors. C'est que tu sais ce que tu fais. Va faire le rangement. Quand il a fini son rangement, moi j'étais assis là. J'étais vraiment dépassé par les événements que j'étais assis, je regardais. J'avais les pensées ailleurs. Il est venu s'asseoir près de moi, il me dit, maman, je vais quitter la maison. Je lui dis, pourquoi? Sa grande sœur lui dit, non, c'est pas que tu es parti. Parce que je suis fatigué. Et l'autre qui lui dit, non, je pense que maman elle a le temps d'aller faire. S'il vous plaît, on s'éteint parce qu'on écoute quelque chose ici. Je pense que maman elle a le temps d'aller faire des démarches dans les foyers. Est-ce que tu sais ce qu'on raconte dans les foyers? Tu ne vas pas aller au foyer, tu vas rester à la maison. Et comme il voulait parler, elle l'interrompait, je lui ai dit, laisse-le, peut-être la question là. Alors je lui ai dit comme ça, tu veux aller au foyer pourquoi? Il me dit parce qu'il est fatigué. Il dit que tu es fatigué, il me dit, oui, parce qu'il va dans un foyer, comme ça je vais avoir la paix. Et lui aussi, il va avoir la paix. Oh, je l'ai observé. Je lui ai dit, dis-moi ce qu'il y a. Il m'a dit, maman, alors quand moi je suis comme ça, d'après ton propre père, oui. Je suis comme bourreau, je suis comme un enfant soldat. On m'a envoyé de te tuer depuis longtemps. On m'a demandé de te tuer. Parce que, comme moi j'ai fait un accident, je me suis cassé 6 côtes là-bas. Son grand-père qui lui demande, mais c'est toi qui as la base de l'accident de maman alors? Parce qu'elle a fait un accident, elle a failli mourir, elle a passé près de combien de mois à l'hôpital. Il est resté. Il me dit, quand elle avait fait l'accident, j'ai eu très mal. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus pitié d'elle. Même si lui avait un malheur aujourd'hui. C'est ça? Oui, c'est ça. Vas-y. Tu as dit ça à ta mère? Oui, ça à ma mère. Ah, ok. Tu as l'impression que tu as enlevé l'amour que tu portais à ta mère. Oui. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Comment ils ont enlevé ça? C'est à force de la taper, t'as fait un petit tapis sur ta main. C'est moi. Et puis tu la vois plus comme une mère. Alors, aujourd'hui, même si lui avait un malheur. S'il vous plaît, j'ai trop de bruit dans la salle. Si lui
lui arrive un malheur, je ne prendrai plus pitié parce que je ne la connais plus. Parce que moi, je dois accomplir ma mission. Parce que, il t'a dit ça de vivre. Il a dit ça. Il a, même ça aussi. Non, j'écoute. Quand il a dit ça, je dis en bon, aujourd'hui, tu ne me reconnais pas, je dis non, je n'ai plus de pitié. Je n'ai aucune pitié pour toi, même. Si il n'arrive pas que ce soit, ça me convient. Et son grand-père qui demande, ces gens en question dont tu parles, ils viennent à la maison ici, comment ça se passe? Ils viennent, oui, effectivement, ils viennent à Paris. Et quand ils viennent, ils tournent autour de la maison. Ils tournent autour de la maison, ils n'arrivent pas à rentrer, que c'est comme il dit déjà à l'intérieur, lui fait le boulot. Parce que, comment ça se passe quand ils viennent? Quand ils viennent, en fait, ils tournent autour de la maison. Ils poussent, et après, quand je commence à dormir, quand je commence à fermer les yeux, c'est moi même temps après, je me retourne avec un peu. Donc, ils quittent Soubré pour venir à Paris. Oui. Et quand ils viennent, tu sens qu'ils sont là. Comment? Ils t'appellent. Et puis c'est un signal qui te réveille. En fait, ils attendent que je dorme en fait pour que je parte avec eux. Oui, c'est clair. C'est à quelle heure de la nuit? Je crois que je suis dans mon lit généralement. J'aime pas payer une heure dans le lit par là. Comme nous on a peut-être. Ils ont deux heures de. Que nous, donc quand il y a zéro là-bas, ici. Généralement, il va tôt dans le lit. Mais moi je pensais que c'est parce que. Comme moi j'ai la wifi et qu'il se connecte, il est connecté sur la wifi. Souvent il a le portable dans son lit sous la couette. Alors quand il rentre tôt comme ça, quand je me rends compte qu'il a pris son portable, je lui prends le portable. Et quand je lui prends le portable, moi je reste au salon à suivre les émissions. Après, comme moi je prie tard, je rentre tard pour me coucher. Alors quand son grand frère lui dit comme ça, mais ces gens qui viennent ici, comment ça se passe? Il dit quand ils viennent, on prend maman, on la ramène dans une espèce de château, mais c'est noir. Mais on l'amène en Afrique, d'après lui, on l'amène dans une maison noire, et puis on lui donne des coups de pied, okay. On la tabasse. Comment ça se passe? Quand ils viennent, les gens viennent, ils vont prendre votre maman, tu prends votre maman. Comment ça se passe? Au début, c'était pas comme ça, c'était dans les circonstances, c'était des rêves, c'était des flashs. Puis après, ça s'est développé au fur et à mesure. Okay. Et en même temps, elle était parfaite, elle était un peu souffrante. Un peu touchée, pas vraiment en pleine forme, elle était un peu touchée. En même temps, on l'a tapé. Et après, moi, je l'ai réveillé. Mais comment vous arrivez après votre maman, l'envoyer jusqu'en Afrique? Oui, mais il faut expliquer comment ça se passe. À part de tourner à la maison, il est un prêt de moi. Vous l'avez, c'est au village, c'est ça? Il est né ici. Il est né ici. Vous allez passer les vacances au village. Il est parti à 2 ans. À 2 ans d'ici. Ok. Il est revenu combien d'années après? Il est revenu quand il avait 7 ans. Il est venu pour les vacances. Ok, 7 ans, d'accord. Ok, ça allait 5 ans après. Oui. Ok. C'est là qu'il a contacté la sorcellerie. Voilà, c'est là qu'il m'a contacté. Alors moi je lui dis, tu le fais avec qui? Tu fais la sorcellerie, ma petite soeur là, il me dit, non, t'en fais pas, ta petite soeur ne fait pas partie. Alors qu'en réalité, il avait peur de me dire, parce qu'il sait qu'elle fait partie. Ta petite soeur, non, maman, elle ne fait pas partie, c'est pas ta petite soeur. Il a dit le nom de mon petit frère, d'un demi-frère à moi, avec qui je n'ai pas contact. Mais comme ils étaient allés là-bas, il a pris contact avec moi. Alors, on lui donne des coups de poing, des coups de pied, dans les côtes, partout. Alors son grand frère qui dit, mais tu sais qu'elle est malade, pourquoi est-ce que tu lui donnes des coups de pied? Et quand on lui donne des coups de poing, des coups de pied, elle se plaint, quand elle commence à gémir et tout ça. Et puis je suis là, je dis, non, je ne veux pas. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à faire avec elle. C'est fini, je n'ai plus de compassion pour elle. C'est terminé, parce que moi je dois faire ce qu'on m'a demandé. Je dois accomplir ma mission. Tout, il faut que je fasse comme mes demandes. Alors, son grand frère lui dit, mais comment est-ce que qu'est-ce qui t'a fait parler aujourd'hui? Parce que tu vas à l'église avec maman. C'est là-bas que ça t'a touché. Il me dit non, mais à l'église, il n'y a pas d'esprit saint là-bas. Hein.
Il n'y a pas l'Esprit Saint à l'église. Parce qu'on va dans une église qui est dirigée par un Portugais qu'on appelle Charisme. Non, je ne vais pas quitter l'église. Non, bon, voilà. Et on va, c'est temps pour moi, okay. On va là-bas pour prier les dimanches. Il dit, non, c'est pas là-bas, il n'y a rien là-bas. Et comme il y a un groupe de prière qui vient chez moi aussi. Un pasteur met Nakai dans le faux, je ne veux pas qu'on dise son nom ici. D'accord. Oui, oui, oui. Parce que là, je ne veux pas que l'ennemi joue sur ce terrain. D'accord. Mais, oui. C'est temps pour moi, je le dis. Oui, c'est ça. Et à la maison, j'ai un groupe de prière qui vient là aussi. Il dit non, c'est, quand ils viennent ici, c'est de la rigolade. Pour moi, c'est. Quand maman se plaint que pourquoi je ne prie pas, ça m'embête. Mais il ne voit rien. Il dit qu'il ne voit rien. Si, si. Et son grand frère qui insiste maintenant. Quand les gens prient, tu sens rien. Tu insistes pour dire, mais qu'est-ce qui t'a fait parler? Qu'est-ce qui t'a fait parler? Il dit, parce que maman, quelquefois, la nuit comme ça, la nuit, quand elle prie qu'elle met le feu, j'ai été touché par là. Très bien, ce qu'on peut toi. La nuit quand je prie, oh, cette femme qui avait troqué l'enfant, c'est dans la nuit, pendant que l'autre dormait. Ah, tu ronfles, non? Le Dieu va voler. Elle prie la nuit. Elle travaille la nuit. Donc celui qui connaît ça, c'est fini. Il a la victoire sur la sorcellerie. Oh, tu vas commencer. Quand les gens écoutent ces messages, ils sont prêts. Les gens vous regardent, ils vont commencer à vous affaiblir. Oh, quand tu es habitué à prier la nuit, c'est fini. Allons-y. Moi, excusez-moi, quand j'ai vu vos prêches, les vidéos, depuis ce temps, j'ai commencé à dormir. C'est à minuit que je commence à prier. C'est très bien, toi. Je prie à minuit. Quand je m'endors un petit peu, je me réveille. Oui, à 4 heures pour faire la prière. Alors, il a dit que c'est quand je priais que je mettais le feu. Oui. Il a été touché par le feu. Il m'a su le côté. C'est là où ça? Ça a brûlé un peu. Le feu. Tu as senti qu'il y a le feu que tu as pris ici. Elle n'a pas bien brûlé. Il avait brûlé lèvres là. Ce n'est pas lèvres là qui mange. C'est lèvres là, ça doit brûler. Gaïa comme ça, tout à l'heure venu ici. Hein? Alors c'est comme ça que d'après lui il a été touché. Oui. Et moi je n'arrête pas, j'ai vu ce plan, je n'ai pas arrêté. Amen. Je n'ai pas arrêté. Tu vois quand ça peut t'arrêter. Oh. Et après, une semaine après, je lui ai demandé, je lui pose la question comme ça. Dis-moi, vous en êtes où? Oui. À mon niveau. Je n'avais pas encore arrêté parce que chaque fois que je me réveillais, je ne travaille même pas. Je n'arrive plus à travailler. Oui. Je dis, mais vous n'avez pas encore arrêté. Je me dis, maman, je ne veux plus parler parce que l'autre fois, j'ai parlé, ils m'ont mis la corde. Il a passé pratiquement 3 jours sans manger parce qu'il dit qu'il avait une angine. Il m'a dit que c'était une angine. Oh, c'était la corde. Oh, c'était la corde. Mm-hmm. Il a passé les 3 jours. Bon, si ça m'est ainsi, ouais. Quand on va y aller, on va partir d'ici. Et j'ai été au lycée pour voir le proviseur. Quand j'avais été convoqué par mauvaise conduite, on m'a dit. Les notes sont arrêtées à partir du 16 juin. Ok. Parce qu'il y a quelque chose qui me disait, il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte voir, il faut qu'on aille, on vienne ici pour la prière. Il faut qu'on vienne au camp pour la prière. C'est comme ça qu'on est. Mais il t'a pas expliqué qu'ils t'ont déjà tué. Non, il voulait plus rentrer dans les détails. Ah, c'est ça, ils t'ont déjà tué. Il voulait plus rentrer dans les détails. Quand je lui posais. Le 22 octobre, c'est fini, tu ne vois plus le souffle. C'est ce qui a été arrêté par la confrérie. On a mis ce pas ça. Et j'ai beaucoup prié pour toi cette nuit. Moi, c'est ça. J'ai beaucoup prié pour toi. Parce que dès qu'on a engagé déjà le dossier hier nuit, j'ai commencé à voir de certaines choses. J'ai beaucoup prié pour toi. Le 22 octobre, ton cœur allait s'arrêter. Sinon, ils t'ont déjà tué et ils t'ont déjà détruit. C'est fini, ça. Dans le monde spirituel, tu es mort. Mais ce que tu dois retenir, c'est que Dieu est Dieu. Amen. Dieu, dans sa souveraineté, va créer, va te permettre d'être ici. Pour parfaire ta délivrance. Voilà. C'est ce que tu dois retenir pour parfaire ta délivrance. Comment tu es arrivé à tuer ta mère? Parce que elle doit mourir le 22 octobre. Une flèche. Comment? Pas derrière. Ok, vas-y.
Parce que, en parlant de flèche. Ouais. Levez où? Ouais, c'est montré. Où ça? On voit la partie. Là, là. Non, il y a une partie là. Je vois pas. Oui. Ici? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. T'as quelque chose que non, non. Il me marche dedans. Mm-hmm, quelque chose. Ça me marche, ça me fatigue, ça me fait des démangeaisons. Mm-hmm. J'ai été voir notre médecin traiteur, elle m'a prescrit de la pommade. Malgré la pommade, c'était ça devenait atroce. Et on m'a emmené dans un hôpital, dans un institut pour faire des analyses. Ils ont préparé le produit. Oh, c'est lui, souvent, quand j'ai ça, je me dis, viens me masser. Oh là là! Alors, je l'ai emmené, quand je suis allé à Verbe, il m'a donné le produit, le médecin a dit, la biologie a dit. C'est toi qui, le masseur? La biologie a dit, c'est. Oh, l'ignorance, c'est quelque chose, hein? Regarde, s'il te plaît, oui. Ils ont préparé le produit. Ils ont préparé le produit. Mais quand j'ai commencé à me faire masser, tout mon dos. La douleur commence à se généraliser, c'est voilà. Ça? C'est comme si c'était, j'avais une grosse plaie dans le dos. Okay. Je ne pouvais plus, la plaie descendait du côté. Je ne tenais plus d'eau. Alors quand j'ai vu ça, quelque chose m'a dit, il ne faut plus qu'il touche à mon dos. Non mais quand j'ai vu, j'ai arrêté, je lui ai dit, désormais, tu ne touches plus à mon dos. Parce que voilà, même jusqu'à présent, c'est comme si c'était un verre de terre. C'est ce qui était grave avec lui. C'est la flèche là? Hein? Hein? Oui, c'est la flèche. C'est la flèche. Oui, c'est la flèche. Donc tu es convaincu, tu sais qu'il y a flèche, puis tu aggraves même la chose. Vous voyez un peu, comme c'est une maladie. Quand vous regardez un peu l'histoire, il faut aider l'enfant. Parce que ça, ce n'est pas lui, vous comprenez. C'est pour ça que par moment, quand vous écoutez les aveux des gens, il faut prendre quand même le temps de retenir l'essentiel. C'est-à-dire, n'accusez pas les gens à tort à travers. Or, les gens, ils accusent directement parce qu'il a fait du mal. Il a tué, c'est vrai. Mais d'où vient le problème? Comment il a contacté la chose? L'enfant, c'est clair, c'est ça le problème. Comment l'enfant a contacté la chose? Il a contacté la chose lorsqu'il est venu au village en vacances. J'ai une dame qui est venue de la Suède. Ses enfants, c'était la première fois qu'ils venaient, c'est des jumeaux. Qu'il venait en Côte d'Ivoire. Ok. Elle a fait passer les enfants ici d'abord. Nous avons d'abord prié pour les enfants. Elle m'a demandé, j'ai dit non, ils sont partis. Parce que si les enfants ne sont pas sécurisés, s'ils viennent, on les charge contre vous. Dans l'enseignement que je donnais tout à l'heure, je dis, l'ennemi n'est pas loin. Donc, on charge quelque chose. Regardez, c'est un enseignement très fort. Ils vont commencer à ôter quelque chose dans le cœur de l'enfant, l'amour de sa mère. Ça m'a touché. Mais c'est méchant. Ça m'a vraiment touché. Et quand l'enfant a dit, ils ont commencé à enlever quelque chose qui était à moi, l'amour de ma mère. Donc j'ai commencé à prendre l'enfant comme on détruit, sans sentiment. C'est un travail. Ils ont commencé à prendre l'enfant. On dit non, vas-y, ça ne fait rien. Tu peux là. Donc, ils ont appris l'enfant. Et puis, finalement, la femme venue va comprendre que c'est fini, je vais faire avec. C'est ma mère, je m'en fiche. Si elle est morte, je m'en fiche. C'est vraiment méchant. Hein? Amen. Amen. C'est très méchant. De détruire la vie d'un jeune homme comme ça, un enfant. Et quand vous allez voir que, une fois l'enfant contacte, c'est ce qu'elle a dit, c'est clair. Le comportement devient très bizarre à la maison. Mm-hmm. Très bizarre. Vous constatez que l'enfant n'est plus normal. Mm-hmm. Oui. C'est des signes. L'enfant n'est plus normal. Il est un peu désordonné. Oui. Il est perturbé par moment. Il est nerveux. C'est des grands signes, ça. Il faut commencer à rapprocher l'enfant de la prière. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui se donne à la prière de la délivrance. Il y a des gens, eux, dans leur église, ils enseignent seulement, ils s'en fichent de la prière. Il y a des gens, eux, ils s'en fichent de la délivrance. Ils te disent, non, tu n'as pas la foi. Il faut prier toi-même pour que tu sois délivré. La vieille, madame, venez, vous là, venez.
Venez, venez. La dame. Je viens. Comment vous appelez? Comment vous appelez? Oui. Tu as bien entendu. Anne-Marie. Anne-Marie. Tu sais ce qu'il y avait touché chez toi? Non. Ok. Tu as ta sorcellerie, tu as mis ça dans ton sexe. Non. Je suis en train de vous parler. Oui. Madame, j'ai l'impression que quand vous venez ici, vous cachez votre sorcellerie. Non. Moi, mais je suis venue. Madame, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, ça ne m'a jamais trompé. Ça vous étonne parce que vous ne voulez pas être délivré. C'est ce que vous êtes en train de dire? Oui. Vous pouvez assumer ce que vous êtes en train de dire? Oui, je peux assumer. Vous pouvez assumer? Oui. J'arrive. Oui, madame, j'arrive. Madame, j'arrive. Madame, ça va, vous étonnez comment? Vous êtes sorcière? C'est ce que vous allez dire, vous êtes sorcière. J'ai dit, j'ai. C'est la première fois que je vous vois? Non. Ok. Je suis venue. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, j'arrive, madame. Je vous fais payer ça 1000 fois. Je vous ferai ça payer ça tout à l'heure. Alors, oui, regardez, il y a la stratégie du diable. J'ai l'impression que cette femme, quand elle vient, elle cache sa sorcellerie. Elle cache sa sorcellerie. Tout à l'heure, je l'ai vu tout à l'heure. J'ai eu l'impression de voir comme un fétiche au niveau de son sexe. Moi, je suis un voyant. Je suis pas en train de m'amuser. La personne qui même protège les gens quand sont la sorcellerie, qui les délie, c'est moi. J'ai menti sur toi pour que tu dis Jésus. J'ai quoi à toi? J'ai fait, je t'ai fait quoi? Puis j'ai menti, j'ai venu mentir sur toi. Oh, je connais vos bouches. Où il y a des grands menteurs, ils disent que c'est quand ils mentent d'abord, après, ils reconnaissent. C'est leur stratégie, ça. Ils ne disent pas par la vérité. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit sans eux. Moi, je suis là, mes yeux sont ouverts. Je fais attention à tout. Parce que, oui, je fais attention à tout. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est propre ici. Quand je commence à voir quelque chose, flash, je fonce directement sur la personne. Tu m'as fait quoi? Tu as quoi? Et puis elle est contre toi. Oui, allons-y, petit. Elle dit, va assumer, non? Je te fais payer ça. Oui. Eh, hey, madame, faut pla... madame, faut pas avoir. Oui, cette... l'histoire de l'enfant est tellement terrible. Oui, c'est. Oui, allons-y. Non, il va. Je n'ai pas encore interrogé. C'est toi qui as commencé à parler depuis. Lui, il va parler. C'est des enseignements. On apprend dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Oui, on apprend beaucoup de choses. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Donc, tu as donné les flèches dans le truc de ta maman. Vous l'avez tué. Tu sais qu'elle est morte. Tu sais qu'elle est morte. Qu'est-ce que tu n'avais pas encore dit, que tu as envie de dire? Madame, si vous ne fermez pas vos bouches, ils ont la stratégie, ils viennent ici, ils mettent leur sorcellerie ailleurs, une, et puis après, tu vas payer ça tout à l'heure. Allons-y. Ah, vous l'avez d'abord affaibli, écoutez très bien. Ils l'ont affaibli d'abord avant de l'achever. En quoi faisons? En étant par exemple le même. Hein? Le non-aboutissement. Ça ne marche pas. C'est ça. Ah, tu passes bien. Il dit, quand tu entreprends quelque chose, ça ne va pas loin. Ça ne va pas. Ça ne va pas et tout au niveau de ma santé, ça ne va pas. Oui, mais quelqu'un t'a déjà, on te frappe la nuit. Tout ce que j'entreprends, j'ai une image. Quand même, j'ai dit, bon, je vais faire ceci. Vous avez bien écouté mon message la dernière fois. Le diable a commencé d'abord à détruire tes finances, à détruire tes affaires. Il va commencer maintenant à te torturer maintenant. Après ça, t'achever. Oui, c'est un travail. Avec le niveau de mes finances, j'avais plus rien. Alors que moi, il fallait que lui étant mineur, mon devoir c'est parce que l'école. Il a la location ou comment dépendait là-bas? Non, là-bas, il faut avoir deux enfants pour avoir la location. Okay.
pas d'allocation. Okay. Et tout devait venir de moi. On a seulement l'allocation, l'APL, okay, le logement, c'est tout. Okay. Sinon, il y a rien. Il fallait que je travaille, mais j'arrive même plus à travailler. Et ce que je m'occupe de lui actuellement, il faut qu'il aille dans les colonies, dans les sorties, il fait du sport, que j'achète tout. Finalement, on a arrêté le sport parce que moi, j'avais plus de moyens. Et c'est cette mère à l'amour que vous avez dans ton cœur. C'est Dieu. Ah, c'est méchant. Non, si, c'est méchant. Hein. Souvent, on est là, on regarde, mais c'est très méchant.